Bonjour, on est au mois de janvier, le 8 janvier. Je me suis dit que je ferais une petite vidéo sur le Qigong. Donc, on va commencer tout de suite. J'enlève ça, il fait frais aujourd'hui. OK, donc, on va commencer par frotter un petit peu les mains ensemble. Faire des petits tapotements dans le bas du dos. J'espère que vous avez passé des joyeuses fêtes. Donc, l'idée de faire cette petite vidéo-là, c'est de vraiment faire la différence, essayer de faire la différence dans vos vies, essayer de vous donner des trucs pour que vous ayez une meilleure qualité de vie, hein, même si on est obligé de rester un peu en dedans ou encore porter nos masques. Hein. Donc, c'est des exercices faciles de Qigong. Vous allez retrouver ces exercices-là avec, même si vous voyagez dans le monde, avec la plupart des professeurs, hein, que vous soyez en Californie ou ailleurs. C'est des exercices qu'on dit essentiels. Moi, je pratique à tous les jours. Donc aujourd'hui, ça va être une petite pratique d'une demi-heure. Donc facile et abordable pour tout le monde. Super beau. Et ici, on va inspirer, laisser flotter les bras. Expirer. Plier un petit peu dans les genoux. Inspirer. J'en profite pour saluer tous mes étudiants. Les cours de Qigong et Yoga au 3225 Boulevard Monseigneur Langlois, je pense qu'on va recommencer ça juste au mois de mars, avec ce qui se passe là. Donc, si j'inspire, je contracte un peu les fessiers, les jambes, j'expire. J'inspire. J'inspire, je laisse flotter les bras, tu vois. Je relâche au niveau des articulations. J'expire. J'expire. Super beau. Ici, j'inspire, je vais ouvrir la poitrine. Je contracte les fessiers, je pousse devant. Je laisse flotter. Je relâche. J'inspire, j'ouvre la poitrine. J'expire, je relâche. Je vais faire un petit étirement latéral. Bonjour, poumon. Je peux frictionner un peu. Ensuite, je tourne un petit peu le bassin. Je reviens. Avec un de mes étudiants en Qigong, puis il disait, il a 75 ans, le monsieur. Sais-tu, Francis, comment j'appelle ça, les exercices que je fais en Qigong le matin pour me dégourdir, me donner un peu plus d'énergie? J'ai dit, non, comment t'appelles ça? Si j'appelle ça une prière au corps. Alors, je dis, hey, c'est vraiment un beau nom pour définir ce qu'on fait. Donc, si je viens pousser devant, j'étire vers le haut. J'expire, je relâche. Encore une fois, je viens croiser, je pousse, j'allonge, j'allonge. Je peux regarder le bout des doigts, j'expire. Donc, on essaie de faire les exercices 4 à 5 fois, hein? Ça peut aller plus que ça aussi, mais pour une petite vidéo éducative que je fais,
pouvez aussi retrouver une cinquantaine de vidéos qu'on a fait l'année passée sur YouTube ou Google, hein, juste marqué Francis Renaud Yoga. Vous allez tous les avoir, c'est gratuit. Ensuite, j'ouvre les bras. Ici, le mouvement est facile. Je regarde derrière, je fais des petits mouvements côté-côté. Donc, très, très bon pour masser les reins. Activer la circulation. Donc, le corps aime ça parce que c'est doux. Hein? C'est doux, mais ça a une très grande puissance. Hein? C'est comme si c'est très féminin, dans le fond. Hein? Très doux. C'est comme l'eau, hein? C'est l'élément en haut, comme je dirais. Le yoga, c'est plus yang. Ici, on va faire un petit mouvement pour la colonne. Donc, j'expire, je plie dans les joues. Je remonte. Ici, je tire un petit peu les épaules derrière. Ensuite, le second mouvement, j'y vais avec les bras. Et là, je descends moins loin. Puis je remonte. La poitrine. J'ouvre et je reçois l'énergie dont j'ai besoin pour la journée. Hein. Donc, mon intention, c'est vraiment ça. Hein. De me connecter à tous les éléments vivants autour de moi, que ce soit la lumière, la terre, les animaux, tout ce qui est vivant. Je vais coller le revers des mains ensemble. Je penche un petit peu devant. Je laisse l'énergie exploser partout. Je vais faire un bras après l'autre. Tu vois, je tourne mon bassin. Je relâche. Je vais masser les reins. J'expire. Tu peux suivre la main du regard. Hein? Longue expiration. Je fais un petit transfert de poids. Tu sais, je laisse le corps balancer le plus possible de façon naturelle. Très doux, très fluide, très fun. Dans le fond, je ramène ma conscience à observer ce qui se passe, hein, le coude, le poignet, le bout des doigts. T'sais. J'essaie de vraiment faire les mouvements en pleine conscience, qu'on appelle. Ça aide à développer la concentration. Travailler les yeux fermés ou les yeux ouverts.
bah, c'est comme je le sens, hein. Ensuite, je remonte, je colle les coudes ensemble, j'ouvre doucement. Ensuite, je fais mes petits mouvements côté-côté. Hier, j'ai été chez mon dentiste, docteur Léger. Et c'était pas juste un petit nettoyage dedans. Puis la technicienne, tu sais, quand j'ai dit j'avais 68 ans, elle a dit hein? Elle a dit waouh! Elle a dit c'est formidable, on ne donnerait jamais cet âge. Ça fait toujours plaisir quand une jeune personne te dit que. T'es bien conservé, mais c'est ça dans le fond, mettre toutes les chances sur son bord. Hein. Faire des exercices respiratoires, bien manger, marcher à tous les jours, faire son qigong, son yoga, ce que vous préférez faire. Hein. Dans le fond, le mouvement, c'est la vie, hein. C'est ça qui est important. Donc, ça me donne une chance, quand on a un certain âge, de garder une souplesse. Hein. La colonne, la souplesse de la colonne vertébrale, c'est tellement important. Ça ne veut pas dire qu'on ne sera jamais malade, mais ça veut dire qu'on va récupérer probablement plus vite que si on fait de l'embonpoint, si on fume, etc., etc., hein, si on mange mal. Hein. Donc, c'est à nous autres à prendre nos responsabilités. Hein. Je place les mains. Ici, sur le côté. Puis tu vois, ici, je vais plier le genou, je ramène les mains ensemble, j'inspire, j'ouvre la poitrine. Je ramène les mains près du méridien ceinture, je viens plier le genou. J'ouvre. Le mantra ici, c'est je m'ouvre à l'abondance sous toutes ses formes. Physique, mentale, spirituelle, amoureuse, financière. C'est comme si tu demandais à ton inconscient de t'ouvrir à toutes les opportunités qu'il peut avoir autour de toi et en toi, tu sais. Ensuite, c'est le contraire. Là, je viens faire un grand cercle derrière. J'emmène le revers des mains ensemble. Grand cercle derrière. Puis le genou, j'emmène le revers des mains ensemble. Grand cercle derrière. J'emmène le revers des mains ensemble. J'emmène les mains vers la poitrine, je pousse, j'allonge, je regarde le bout des doigts. Encore une fois, je prends l'énergie de la terre, je le fais monter le long de la colonne, je regarde le bout des doigts. J'expire, je ramasse l'énergie de la terre, je fais monter ça à travers les jambes, la colonne. On va faire un petit mouvement qui s'appelle soulever le ciel avec les mains. C'est facile ici. J'inspire, puis je monte sur le bout des orteils. J'expire, je redescends. Tu vois, je plie un petit peu dans les genoux. Super. Je monte sur le bout des orteils. J'expire, je plie dans les genoux. J'expire. Regarde, on va descendre vers le sol. Je prends l'énergie du ciel, je viens pencher devant. Je mets les mains sur le sol, je relâche bien le dos, le cou. Je laisse le dos s'étirer.
tourne les mains vers le ciel, je remonte, je garde les genoux pliés un peu vers le haut. Un peu. Je relâche. Tu vois? Ici, je colle les coudes. J'emmène l'énergie vers le visage, puis dans les genoux. Quand je remonte, je fais une petite pression. Je fais exploser l'énergie partout dans la pièce. Encore une fois. J'inspire, j'expire. Je relâche bien le dos. J'inspire, je pose vers le ciel. Je fais un grand cercle. Masser les épaules. Je pousse. Je remonte. Exploser l'énergie dans la pièce. L'autre fois, j'inspire. J'expire. Je relance bien le dos. N'hésitez pas à me faire les commentaires hein, sur mon Facebook aussi, hein, c'est toujours positif hein, d'avoir des commentaires, des questions. Super beau. Maintenant, on va faire juste un petit mouvement côté-côté. Tu vois, je laisse les mains frapper dans le bas du dos un peu. Je termine mon mouvement doucement. Ensuite, je vais pousser avec la main. J'emmène l'oreille sur l'épaule. Je mets mon autre main ici. Puis je viens faire des petits cercles. Je fais des pressions au niveau du trapèze, dans le centre de l'épaule. Là. Sentir que ça libère les épaules. Je pousse. Je reviens. Je fais la même chose de l'autre côté. Je viens pousser. Je fais des petits cercles. Une dizaine de cercles à peu près. Je mets les mains derrière le cou, puis tu vois, j'ai plié un petit peu dans les jambes. Je remonte, je pousse vers le haut, j'expire, je mets les mains dans le cou. Je laisse le poids des bras étirer un petit peu le cou. Je remonte, j'étire, je monte sur le bout des orteils, je relâche. Dernière fois, dans les genoux, je remonte ici, je peux juste étirer les bras aussi si je veux, hein. J'expire, je relâche, je vais masser le bas du dos, donc je viens placer les mains, les pouces dans le bas du dos ici, tu vois, je fais des cercles. Bonjour dos. Je peux déplacer les mains.
petit tapotement sur l'épaule. Je viens taper sur la main. Sur l'avant-bras, sur la main. Par les jambes. Si j'inspire, j'étire les mains vers le haut. J'expire, je viens frotter derrière les jambes. Je mets les mains au sol, je sépare un peu plus les jambes, je viens faire un petit mouvement devant-derrière. Puis dans les genoux, je remonte. J'étire les bras vers le haut. Je viens tracer une ligne devant. Je laisse le dos, les jambes s'étirer. Encore une fois, j'allonge, j'allonge, j'allonge. J'expire. J'expire. Si je ramène les mains ensemble, le mouvement est simple, tu vois. Si je vais inspirer, tourner les mains, amener le revers des mains ensemble, revenir ici comme ça. Donc, si c'est une petite prière bouddhiste, donc, si on pense à quelqu'un que vous aimez, dites à cette personne que la vie te soit douce, que tu sois libre de toute souffrance physique, de toute souffrance morale. Que tu sois en paix, que tu sois en santé, que tu sois bien. Ensuite, on ramène les mains vers le cœur, petit cercle. Pensez à quelqu'un que vous aimez un peu moins bien, qui vous a peut-être causé quelques misères, et dites à cette personne que la vie te soit douce, que tu sois libre de toute souffrance physique, de toute souffrance morale, que tu sois en paix, que tu sois bien. Je vous souhaite pour la nouvelle année 2022 que la vie vous soit douce. Donc, au plaisir de vous croiser en prenant des marches, d'avoir de vos nouvelles d'une façon ou d'une autre, par téléphone ou peu importe, Facebook. Donc, merci beaucoup. Namasté. Passez une agréable année. Joyeux printemps.